Parmi les films du Languedoc-Roussillon présentés, le documentaire d'un réalisateur narbonnais, Stéphane Kowalczyk. Il signe un documentaire sur les chasseurs à l'arc. Jean-Pierre Laval et Jacques-Michel Cugnas l'ont rencontré. Le prédateur aux pointes de méthane, c'est un film original signé d'un réalisateur narbonnais qui va être présenté parmi les documentaires au Festival du cinéma méditerranéen. Tourné à l'automne 2003 dans les forêts du pays de Saint-Pons, 2 mois avec un chasseur à la technique ancestrale, la chasse à l'arc. Un chevreuil, c'est très difficile à approcher. Il a des armes pour se prémunir, c'est-à-dire son ouïe, son odorat. Et le chasseur à l'arc déploie toute une technique pour pouvoir l'approcher, connaissance du vent, du bruit, du mouvement. Et je suis fier d'avoir pu apporter la caméra avec le pied entre un chevreuil et un chasseur à l'arc, ce qui est un exploit physique et proche du cinéma animalier. Une belle œuvre pour ce réalisateur autodidacte qui n'en est pas à son coup d'essai. Stéphane Kowalczyk, installé en Narbonne depuis une vingtaine d'années, est l'auteur d'une dizaine de documentaires avec une forte inclinaison naturaliste. Ces documentaires parlent essentiellement de mon thème récurrent, c'est-à-dire la ruralité, le monde rural et le rapport entre les hommes et les animaux. Vous avez quelques titres là, à nous dire? Oui, j'ai fait un film qui s'appelle Buffalo Kabyle, qui est le portrait d'un vacher à cheval dans les Pyrénées-Orientales. Donc le prédateur aux pointes de métal. Et puis j'ai fait un film au Sénégal sur le problème de la capture des oiseaux de mer par les jeunes enfants sur le bord de la plage. J'ai intitulé le film L'enfant pêcheur du ciel. Le prédateur aux pointes de méthane sera projeté samedi soir au Corum à Montpellier. Jean-François Bourgeot, on va s'apercevoir également cette année que la production en Languedoc-Roussillon est beaucoup plus riche et beaucoup plus diverse. Elle existe. Alors l'idée, c'est ça. La production régionale existe. Nous allons essayer de mieux la rencontrer. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Elle n'a jamais été exclue du festival, mais disons que cette année, on essaie de donner vraiment une visibilité plus forte. Et un petit peu parce que les circonstances nous y poussent. Un collectif s'est créé des professionnels de l'audiovisuel de la région. Récemment, ils ont tenu une assemblée importante d'ailleurs à Argelès-sur-Mer. Et en plus de cette vitrine, c'est-à-dire des éléments de programmation, une section de programme tout simplement qui va nous permettre de montrer des documentaires comme cet exemple, mais aussi des longs-métrages de fiction. Justement, qu'est-ce qui vous a étonné surtout, rapidement, pour finir? Ce qui nous a étonné, c'est que ça existe, que c'est riche, que c'est bien, et que les gens trouvent de l'argent, mais c'est un cinéma qui s'inscrit dans une économie fragile du cinéma. On est loin de Paris, on est loin on est loin de l'argent quand même. Donc il y a un problème, il y a un questionnement. Il y a des idées, il y a de l'artistique, il est là, une volonté de faire existe, et je crois qu'il faut après trouver le nerf de la guerre, et il faut peut-être que ça pourrait... On en discutera, il y aura un débat. Il vous sera question sûrement de décentralisation, nécessairement. À très bientôt, Jean-François Bourgeot, à bientôt. Et bon festival, bien sûr. Merci.